Stroc, c'est une plateforme de prêt et de troc de biens et de services. Donc soit on stroque directement quelque chose contre autre chose, soit on sert de la noisette, c'est la monnaie collaborative de la plateforme. Donc en fait, c'est très simple, tu t'inscris gratuitement et au dépôt de ta première annonce, le site t'offre 20 noisettes. Et en fait, quand une annonce te plaît, tu peux soit demander, envoyer un message, demander une information, soit réserver directement le troc, soit négocier, donc tu peux proposer autre chose ou négocier le nombre de noisettes. On trouve vraiment de tout, ça c'est assez incroyable. On trouve de l'alimentation, on trouve des graines, des boutures, des plantes bio. Il y a beaucoup de services aussi, donc en tout genre, ça peut être aussi des cours scolaires ou des cours de salsa. On peut aussi trouver des balades en voilier ou des week-ends à la campagne, c'est assez incroyable. L'idée m'est venue parce que j'ai toujours voulu créer un projet qui a du sens. Et puis j'ai juste à regarder autour de moi ce qui se passe, la vie qui est un peu trop chère, le manque de lien social, la surconsommation. Et puis du coup avec cette idée, on répond un peu à tous ces problèmes. Alors la communauté MyTroc, c'est 20 000 utilisateurs et 5 000 en Ile-de-France. C'est aussi sur toute la France et dans les dom-toms. Il y a vraiment de tous les profils. Il y a un peu plus de femmes que d'hommes quand même. Mais alors, il y a de tous les âges, de tous les milieux, c'est assez impressionnant. Je pense qu'il y a vraiment un lien qui se crée à travers les échanges, souvent les troqueurs se revoient. Je pense vraiment qu'il y a besoin de solidarité, en ville comme ailleurs, mais beaucoup en ville. C'est un facteur de lien social et on voit que les gens en fait aiment rendre service, aiment s'entraider et qu'on a tous un savoir-faire pour rendre service à quelqu'un et qu'on a tous quelque chose dont on n'a plus besoin qui peut servir à quelqu'un d'autre. Et on est tous complémentaires. Pour aller plus loin dans la solidarité, il y a un onglet dans nos associations où les troqueurs en fait, peuvent répondre à leurs besoins humains, matériels et leur donner des noisettes. Et on a vu des associations qui ont réussi à faire leur logo par des graphistes du site.